Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très très bien en cette fin d'année, en ce dernier mois de l'année. Je viens de me rendre compte d'une chose. Zelensky, le président ukrainien, on n'entend plus du tout parler de lui. C'est un truc de malade. Pourtant, il continue à faire ses vidéos. Vous ne regardez plus ses vidéos où il continue à demander de l'argent et des armes? Plus personne n'en a rien à faire. C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer? Lui qui faisait la une des journaux pendant plus de 1 an et demi, il a été évincé comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Oh là là, Zelena qui crie tout seul et personne qui l'écoute. On entend sa voix qui fait des échos. Il est là. Hé hey, les gars, donnez-nous des armes. Mais personne qui lui répond. Oh là là, mais qu'est-ce que tu crois? Ça y est, l'Europe est passée à autre chose. L'Europe a d'autres chats à fouetter. Tu ne vois pas ce qui est en train de se passer entre l'Israël et la Palestine? Tu ne vois pas ce que le gouvernement israélien a décidé de faire sur les territoires de la Palestine? Tu n'es pas au courant? Hein? Tout le monde a les yeux rivés sur cette guerre. Oui, tu vis une guerre. Oui, tu te sens abandonné. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben voilà. Tu viens de recevoir dans ta figure ce que tous les pays africains subissent depuis je ne sais combien d'années. Combien de guerres il y a eu sur le continent d'Afrique? Tout le monde regardait ailleurs. Même toi, quand il y avait ta guerre, tu sais qu'il y avait quand même une guerre au Congo et personne n'en parlait, on parlait tous de ta guerre. Maintenant qu'on n'en a rien à faire de ta guerre, tu commences à dire, ouais, c'est pas normal. Vous m'écoutez plus, donnez-moi de l'argent, donnez-moi des armes. Mais non, mon pote, bienvenue dans le monde où on choisit les guerres auxquelles nous allons nous intéresser, auxquelles nous allons apporter notre aide. C'est dans le monde dans lequel on vit. Il y a une guerre à gauche? Non, ça m'intéresse pas. Il y a une guerre à droite? Non plus. Il y a une guerre en diagonale? Ouais, c'est plutôt pas mal. En plus, regarde un petit peu ce qu'il y a autour. Ouais, c'est stratégique là-bas. Ouais, il y a un petit peu d'argent à se faire. Hein. Ouais, on va s'y intéresser. Alors, vous voulez qu'on vous aide à quel niveau? On va racheter tous les terrains. Ouais, on va reconstruire. Tu vois la dinguerie? Hein? Mais voilà, qu'est-ce que tu veux? Maintenant, Poupou peut continuer à bombarder et puis personne ne va rien lui dire. C'est terminé. D'ailleurs, on vient de se rendre compte que les sanctions qui ont été mises à l'encontre de la Russie n'ont fait finalement que de renforcer la Russie. Ben voilà. Hein? Toi, Zelalin.